Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, il fait un temps de merde, mais ça va. J'ai eu envie de vous faire une petite vidéo suite au visionnage d'un film, alors je vais vous présenter comme d'habitude plusieurs articles, hein, des achats Blu-ray, Steelbook et 4K, mais ce qui a déclenché vraiment l'envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est ce film que je viens de regarder, hein, il y a pas très longtemps, il y a une demi-heure, donc Joyeuse fin du monde, hein, avec notamment Keira Knightley et le gamin de Jojo Rabbit. Je sais pas si vous l'avez vu, Jojo Rabbit, excellent, hein, franchement excellent. Et le film, franchement, m'a laissé sur le cul, j'ai adoré. Alors, c'est vrai que j'aime les films, non, j'aime pas du tout. Les films catastrophes, les films post-apo, etc. Et là, en fait, c'est le scénario que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a une fin inéluctable de l'humanité. Et en fait, c'est comment les gens vont réagir face aux différentes situations. Donc, je vais revenir sur ce film, mais il y a des films qui m'ont fait penser à celui-ci. Il y avait notamment Final Wars, que j'avais beaucoup aimé. Hein, donc, préparez-vous à l'apocalypse. Pareil, le compte à rebours a commencé, c'est la fin du monde. Et ce monsieur va s'occuper d'une gamine, alors que c'était vraiment pas au départ son intention. Hein. Vraiment très chouette. On aborde aussi un peu le sujet dans Deep Impact, hein, avec Téa Léonie, avec son père et tout. Il y a des scènes très très touchantes. Donc, toute l'humanité disparaît pas, mais je devrais pas spoiler, mais voilà. Mais voilà, on a déjà un aperçu un peu de comment les gens réagissent alors que leur fin est proche et même calendrièrement parlant, on sait quand, quoi, qu'est-ce, à quelle heure. J'avais beaucoup aimé aussi Don't Look Up, hein, ce film Netflix Danny Cosmic avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Mon préféré dans La fin du monde, comment on le gère, etc., quand on le sait, c'était justement Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Donc il y avait déjà Keira Knightley, c'est quand même assez fou, elle fait deux films avec un thème, on va dire, qui revient. Et excellent Steve Carell, et franchement ce film, waouh, j'ai adoré ce film. Super belle histoire, une fin atroce, c'est un peu comme la fin de Danny Cosmic, hein, franchement, si ça vous dégage pas d'émotion, c'est que vous avez un cœur de pierre. En tout cas, joyeuse fête, donc joyeuse fin du monde, et vraiment excellent. On aborde effectivement ce sujet, les musiques sont très très sympas, il y a notamment la musique que je suis en train de mettre hein, en fond sonore, la musique de Fame. Donc en gros au départ, voilà, on sait pas trop ce qui va se passer, c'est ça qui est bien, il y a une espèce de tension au départ où on essaie de deviner pourquoi ils se réunissent, etc. Et franchement c'est très chouette parce qu'on passe vraiment, enfin moi je suis passé du rire aux larmes, mais alors dans les 10 minutes, hein, à peine, même pas. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, le message qui est envoyé est aussi très profond honnêtement. Donc je vous conseille ce film honnêtement, Joyeuse fin du monde, franchement moi j'ai été bluffé. On reste dans les trucs joyeux, donc avec Carrie, avec bah, l'original, hein, avec Sissy Spacek et John Travolta, donc film de Brian De Palma. Donc j'avais la version avec la gamine qui joue dans Laisse-moi entrer, mais c'est celle-ci que je voulais, et franchement, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais dégoûté parce que ça valait super cher. Vraiment, l'édition Blu-ray française, bah franchement, accrochez-vous. Enfin, après, vous pouvez trouver de bonnes occasions, il n'y a pas de souci, hein. Mais j'ai un peu galéré à le trouver à bon prix et très content, c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu hein, honnêtement, avec les Freddy, tout ça, c'était Les Griffes de la Nuit, c'était vraiment les premiers films quand j'avais à peu près 12 ans. Et donc Carrie, très bon souvenir et content de le rentrer enfin dans la collection. J'avais le DVD pourri, vous savez, le truc orange là avec où on voyait juste l'affiche en petit sur la jaquette, enfin voilà, c'était complètement ignoble, donc vraiment content de le rentrer. Ensuite un film, alors je sais pas comment il est venu dans mon intention d'achat ce film. Ça, je crois que je suis tombé sur une bande-annonce qui m'a amené sur une autre bande-annonce et une autre bande-annonce. Donc c'est Shorta, La loi de la cité, donc c'est un film nordique sur deux policiers qui vont se retrouver un peu pris en otage dans une cité de merde. Donc Shorta, apparemment je savais pas, mais ça veut dire police en arabe. Et donc on fait facilement par un raccourci référence à La Haine ou Les Misérables. Moi de ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça m'a pas trop fait penser à ça parce que ça a l'air d'être un film d'action très très punchy, hein, où en fait il y a deux flics qui s'opposent même dans leur façon de voir les choses, etc. Et puis voilà, ça a l'air vraiment terrible et je pense que c'est le film que je vais regarder juste après avoir fait cette vidéo. Je vais même le mettre à part parce que honnêtement, j'ai très très envie de le voir. Très content de rentrer ce film d'Annie Collins, donc un film avec Al Pacino, alors qui n'existe pas en France, en tout cas en DVD, en Blu-ray, pardon.
Même en Blu-ray chaud patate à en trouver, j'ai fini par le trouver et je suis super content. Là, c'est en VO STFR, donc ça me va très très bien. Le film, je l'ai vu pas mal de fois, je l'avais sur un disque dur et j'avais tellement envie de le posséder, tellement ce film est bon. Donc, je suis vraiment ravi, il y a Jennifer Garner dedans. Et en gros, c'est un mec, voilà, une espèce de star vieillissante, hein, qui a eu vraiment un succès phénoménal et qui vit un peu toujours sur ses succès passés. Et son imprésario voit bien qu'il part en steak, sa femme le quitte, une jeune femme, très jeune femme, très belle jeune femme, voilà, qu'il rend cocu et compagnie. Enfin, vous imaginez un peu les scénarios, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il vit actuellement. Voilà, il est au fond du trou, cocaïne et compagnie. Et son imprésario, donc lui, va lui faire croire en fait que les Beatles, avant que John Lennon meure, en fait, il avait écrit, à Danny Collins et lui avait écrit une lettre sur ses chansons et comme quoi c'était un mec formidable. Et du coup, ça va lui redonner un punch terrible. Et franchement, très belle histoire, même d'amour familial compliqué avec son fils et sa petite fille. Franchement, excellentissime film. J'adore Danny Collins. Là, on va passer assez vite. C'est un film qui a été présenté, enfin, pas un film, une saison, The Mandalorian saison 2 en 4K. Forcément, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps la saison 1. Je ne passais pas à côté de la saison 2. Franchement, voilà. Bon, je sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, j'ai adoré cette série. Je ne sais pas quand est-ce que je la reverrai, j'avoue, hein, c'est pas tout de suite. Mais j'ai vraiment adoré. Forcément, Grogu, qui fait référence vraiment à notre fibre paternelle, nous renvoie un peu l'image d'un bébé fragile qu'on a envie de protéger, donne vraiment une empathie terrible au personnage. Et justement, pour The Mandalorian, Mando, bah, son côté au départ très rebelle, elle a pas envie de se faire chier avec ça, quoi, en gros, et que son petit cœur est touché au fur et à mesure, c'est très chouette, franchement, et ça rajoute au film de. Voilà, purement science-fiction qui part dans tous les sens avec des effets spéciaux de ouf, une bande son tonitruante. Franchement, Mandalorian, pour moi, c'est une réussite totale. Quand on parle de réussite, une peut en cacher une autre. Avec ce film, The Creator, que j'ai regardé hier, j'ai adoré ce film. Alors, The Creator, au départ, je pensais que c'était un petit garçon. Bon, c'est une petite fille, mais honnêtement, hyper touchante. Donc, on va dire que c'est l'association de l'humain et du robot. En gros, il y a une guerre entre les deux. Hein. Au départ, on est vraiment du côté des humains, puis on se rend compte que les robots, enfin ceux qui sont plus ou moins en intelligence artificielle, sont pas si méchants que ça. Ils sont dotés finalement de peut-être plus de cœur et d'âme que les humains. Il y a un humain qui va se laisser embarquer dans cette histoire. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous expliquer davantage, mais honnêtement, esthétiquement déjà, c'est fou. Honnêtement, les paysages asiatiques, les couleurs, les oranges et tout, enfin, vous pète à la gueule, les noirs c'est pareil, c'est vraiment extraordinaire, honnêtement, la bande son c'est pareil, on a vraiment une immersion totale et l'histoire, moi j'ai vraiment accroché, j'ai passé, je sais pas, 2h15 je crois, mais alors je les ai pas vus passer, j'ai vraiment adoré. J'avais beaucoup aimé The Father avec Anthony Hopkins et quand j'ai. Pareil, je suis tombé dessus un peu par hasard, j'avais pas trop entendu parler de ce film, The Son avec Hugh Jackman et à nouveau Anthony Hopkins. Donc en gros, un père qui a un peu abandonné tout le monde pour se mettre avec une jeune nana, ça rappelle des choses. Et il y a un moment, son fils va avoir des soucis et donc il va vouloir l'aider, mais forcément le lien a été coupé pendant une paire d'années, ça a été très compliqué. Lui a refait sa vie, Hugh Jackman, son ex-femme va lui demander des choses par rapport au gamin. Et voilà, c'est une histoire de vie qui a l'air très très, pas sympa, hein, mais très réelle et très intéressante en tout cas, et on revoit Anthony Hopkins dedans, hein, qui joue le père de Hugh Jackman, donc hâte de le voir parce que The Father, ça avait été une claque. Alors pendant très longtemps, pendant une bonne partie du film, j'avais du mal pour The Father à voir où il voulait en venir et je comprenais pas tout, etc. Et à la fin, honnêtement, quand ça se débloque, waouh, franchement, excellent. Un petit film sans prétention, hein, avec Gérard Butler. Donc, la disparue, il ne reculera devant rien pour la récupérer. Alors je ne sais plus si c'est sa femme ou sa fille. Film voilà sans prétention, qui se prend pas la tête. Alors j'ai l'impression qu'il se tourne un peu vers les films un peu à la Liam Neeson, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus, c'est pas ouf, mais ça se laisse regarder. Donc c'est vraiment des films sans prise de tête qui vont pas révolutionner le genre. Vous n'allez pas le citer en disant oh, mon film préféré c'est La Disparue, ça j'y crois pas une seconde, mais vous allez probablement passer un bon moment. Deux films français. Alors j'ai eu du mal aussi à me le procurer en Blu-ray, ce Dans la brume avec Romain Duris, donc une espèce de film post-apocalyptique à la française, ça fait du bien. Donc avec une brume qui envahit Paris et voilà. Mais pour survivre, ils vont être obligés d'affronter la brume. Apparemment, dès que vous respirez dans une brume, bah, vous y restez. Hein. J'avais adoré quand je l'avais vu. Hein. Je l'avais acheté en DVD hein, à l'époque.
Et j'avais vraiment beaucoup aimé, et donc bah là je me suis fait une édition double, hein, c'est un amarré double, donc j'y ai claqué le DVD et le Blu-ray, et franchement je suis très content de rentrer ce film, et vous allez voir, enfin si vous vous renseignez un peu, vous allez voir, c'est pas si évident que ça de trouver à bon prix. On reste dans le thème, hein, avec Acide. Alors, je vais vous expliquer un truc. Alors, dans ce genre de film, c'est clair que c'est pas Guillaume Canet qui va me faire regarder ce film, avoir envie de regarder ce film. C'est pas les acteurs, globalement. La gonzesse, je la connais pas. Laetitia Doche, voilà. La gamine non plus. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. La gamine, ça doit être Patience, mais je suis même pas sûr. Et c'est un film de Just Filippo. Alors, je crois que c'est lui qui avait fait La Nuée, un truc comme ça. Donc, on y va doucement. Hein. C'est un film de genre plus ou moins catastrophe, hein, genre français, enfin ce type de film n'est pas trop, comment dire, exploité, on va dire, dans le cinéma français. Donc déjà, respect pour ça, déjà, de tenter un film comme ça, et honnêtement, il y a de très bonnes choses. Alors c'est pareil, c'est pas un film qui va révolutionner le truc, vous n'allez pas vous dire, waouh, j'ai vu un putain de bon film, non, c'est un bon film. Je mettrai une note de 6 sur 10 pour vous situer, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne, mais sans non plus arriver à la mention assez bien, bien ou très bien. Il y a des scènes très très anxiogènes. Lui, Guillaume Canet, très énervant, une espèce de gaucho de merde, anti-patron, anti-flic, anti-tout ce que tu veux, mais sans forcément de discernement. Donc il me saoule un peu. Malgré tout, il a réussi à dégager un peu d'émotion à certains moments avec sa fille et sa femme. Mais la fille, clairement, c'est l'héroïne, le personnage principal de ce film, hein, c'est certainement pas Guillaume Canet. Et comme je vous l'ai dit, vraiment des scènes très très anxiogènes, il y en a même de très très bien faites, vraiment très très bien faites. Et je vous dis, n'hésitez pas non plus, si vous le chopez, faut pas l'acheter à 20 balles, mais n'hésitez pas non plus. Moi je l'ai eu sur Vinted, je l'ai payé moins de 10 euros avec les frais de port et c'était vraiment très bien. Donc Acide, très content de le rentrer, hein, malgré tout. Alors je suis pas au taquet de cette saga, hein, qui est Star Trek. Alors là d'ailleurs, si ça y est encore, n'hésitez pas si ça vous branche sur Amazon. Cette saga avec les 4 premiers films originaux est à 31 euros. Moi j'avais au départ pris cette édition chez eux à 31 balles et en fait ils ont mis temporairement en rupture de stock et j'ai cru que j'allais jamais l'avoir. Donc vu qu'il était aussi en promo sur la Fnac mais un peu plus cher, je l'ai pris sur la Fnac. Donc très content de rentrer ces Star Trek. J'ai commencé à regarder le premier et franchement c'est parce que j'ai été distrait par le boulot et je n'ai pas plus... Enfin, pas pendant le boulot, attention, hein, mais j'ai eu un coup de fil et ce qui fait que j'ai lâché le film en fait. Et franchement, très très sympathique, très vintage, mais on lui pardonne justement tous ces petits défauts, hein, dus à l'époque de tournage tout simplement. Hein. Faut remettre les films dans leur contexte si vous voulez les apprécier, quoi, et pas essayer de voir Star Trek de 1970, je dis des conneries, hein, sur l'année, comme un film de 2024, quoi. Faudrait être stupide. Donc je sais que vous n'êtes pas stupide, donc si vous ne l'avez jamais vu, abordez-le de cette façon. En tout cas, moi je me suis laissé diriger un petit peu par Adrien, encore lui, oui je sais, parce que j'y connaissais pas grand-chose en Star Trek, alors tant qu'en Star Wars, tout ça, ça va. Les grandes sagas, souvent je suis pas trop mauvais, mais Star Trek, honnêtement, j'ai lâché complètement. Je me souviens très bien de la colère de Khan en affiche dans les vidéoclubs, mais hormis ça, honnêtement, je sais pas grand-chose, donc je suis très content, hein, Spock. Effectivement, moi je voyais la série en noir et blanc sur la télé de ma grand-mère, voilà, c'était le seul contact Star Trek que j'avais. Et donc, il y a six films à posséder dans ce domaine. Donc celui-ci aussi, hein, Star Trek V, l'ultime frontière, a été très beau fourreau. Et ici, Star Trek Terre Inconnue. Donc voilà, très très content de rentrer ces six films. Après, il y en aura d'autres, hein, avec Monsieur Picard, si j'ai bien suivi. Et ensuite, il y a ceux les plus récents, hein, où là, j'ai les trois. Mais franchement... voilà, dans une collection digne de ce nom au niveau science-fiction, ne pas avoir Star Trek était une hérésie. J'ai réparé cette erreur et je vais regarder très vite. Pas tout de suite, vu que j'ai dit que j'allais regarder Shorta, je vais pas vous mentir, je vais regarder Shorta. Mais je vais regarder rapidement cette saga, j'en ai vraiment très très envie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai passé un bon moment avec vous, j'espère que vous en avez passé un bon avec moi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, me faire gagner des abonnés, ça me fait toujours plaisir, honnêtement, c'est quelque chose qui me motive. Je suis plus très loin des 2000 abonnés et honnêtement, voilà, c'est le cap ultime que... je souhaite franchir. Après, voilà, les 3-4 000, ça n'arrivera pas, ou très difficilement, parce que... Donc, effectivement, je viens de regarder Shorta, hein, La Loi de la Cité, c'est vraiment excellent. Très, très, beaucoup plus nerveux que La Haine ou Les Misérables, honnêtement. Hein. En gros, c'est... ils se retrouvent piégés dans la cité avec les émeutiers qui cherchent à les éliminer, clairement. Et franchement, ça, c'est un excellent film. Assez stressant par moments, il se passe pas mal de trucs, honnêtement. Et franchement, très très intéressant. On voit que le Danemark est sujet aux mêmes choses qu'en France.
C'est rassurant ou ça l'est pas, je sais pas. En tout cas, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis encore une fois, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous, partagez. Je pourrais tomber dans la facilité. Je sais ce qu'il faudrait faire pour avoir plus d'abonnés. Je sais comment certains s'y prennent, mais j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce jeu-là. Donc je reste fidèle à moi-même en espérant que ça vous plaise. Allez, ciao!